L'idéologie peut prendre mille formes. Socialisme, communisme, antifascisme, antiracisme, wokisme. Quand elle prend le pouvoir dans toutes les écoles d'un pays, l'heure est grave. Quelle est cette idéologie qui a tué l'école? Une idéologie venue du communisme. Avec elle, l'objectif de l'école ne doit plus être la transmission des savoirs, mais l'égalité. Au nom de cette égalité, on éliminera peu à peu l'instruction, sans comprendre que c'était justement l'instruction qui réduisait les inégalités. Il y a effectivement l'idéologie woke, qui est un hyper-individualisme, une hypersensibilité aux droits de l'individu, une offensive généralisée contre la culture française et occidentale, contre l'homme blanc hétérosexuel. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Le couscous, plat préféré des Français. C'est pas du tout honteux, mais simplement la gastronomie française est bien mangée, c'est aussi manger des raclettes qui sont suisses, des pizzas qui sont italiennes, des sushis qui sont japonais. Du saucisson, enfin de la viande, il a dit la viande pour pas dire le saucisson, mais le vin et toute la clique, c'est une image qui est pas anodine du tout, qui est déjà utilisée par l'extrême droite depuis un moment, donc il savait très bien ce qu'il faisait en utilisant cette image-là. Il a voulu en fait mobiliser des thèmes qui appartiennent à l'extrême droite, et ça s'inscrit dans une continuité de ce que fait la ligne, enfin les dirigeants du PCF. Roussel fait des appels du pied à la suprématie blanche, en fait. Bonjour Pierre-Valentin. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'une note en deux volumes pour la Fondation pour l'innovation politique à propos du wokisme. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le wokisme ? Alors le wokisme, déjà, ça vient du mot woke, qui lui signifie être éveillé en anglais face à des masses endormies. Le wokisme est plutôt, pour reprendre la formule de Raymond Aron sur le marxisme, un opium des intellectuels. De la crise écologique. Voici le sens de ma candidature. Pourquoi t'es sur Internet? Ça pollue d'utiliser Internet. Je suis de 43. Et d'ailleurs, ton vêtement aussi pollue, c'est ultra polluant. Tu devrais garder ta même veste de prolo, mais bon, évidemment tu veux pas, parce que faut toujours rester à la mode, Omégalule. Vont-ils essayer un nouveau subterfuge? Prenons l'argent des riches. Le discours, prenons l'argent des riches. Ah, je veux bien que tu me reverses le tien d'ailleurs, avec toutes tes paillettes en or, tu dois être riche. Croyez-moi, cette élection ne ressemblera à aucune autre. Oui. Comme d'hab, ça va être le barrage contre la haine et Macron président, on la connaît, c'est la boucle spatio-temporelle. Avec la millième dose de Pfizer dans le sang, on la connaît bien, là. Rien n'arrêtera le NWO. Cette vision, je dirais que dans le wokisme en général, ils écrivent toujours la figure de l'autre avec un grand A. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation de l'autre, ce qui a l'avantage de ne pas être comme nous, ce qui est assez révélateur de leur mentalité. Tout ce qui est susceptible de déconstruire la norme, toute exception à la norme, ils vont vraiment chercher à le mettre en avant. Il y a une volonté, je dirais, dans le wokisme de trouver ce qui fait l'essence d'une nation, et ensuite d'expliquer que cette essence est affreuse. Ce qui permet ensuite de dire que les problèmes sont structurels, que les problèmes sont systémiques, et donc ça légitime une déconstruction à très grande échelle de ces choses-là. J'ai croisé une militante de l'ultra-gauche à la fête de l'UMA, qui j'ai demandé si elle avait déjà été victime de discrimination. Elle me répond oui, parce que j'étais blanche. Et en fait, se rendant compte de ce qu'elle venait de dire, je lui pose la question. Le racisme anti-blanc existe, c'est pas un fantasme. Et elle me dit non, en fait, ce n'était pas du racisme, c'était une discrimination. Bon voilà, ça commence très fort, on voit tout de suite la langue de bois employée par les militants. Portrait robot du militant woke en France, c'est une personne entre 18 et 35 ans. C'est un peu plus féminin que masculin, même si ça c'est pas absolu. Et aussi c'est quelque chose des jeunes, des classes aisées. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.